have some planes that stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport. Don't try to make any stupid moves. No, he is a hijack. The American 11 is a hijack. Yes. Une révolution populaire en Iran. Une prise d'otage dans une ambassade. Une autre à la Mecque. Un assassinat de chef d'État en Égypte. Une invasion militaire en Afghanistan. Une série d'attentats aux Philippines. Une réception officielle à Washington. Autant d'éléments d'un puzzle géant dont les pièces sont éparpillées aux quatre coins du monde et étalées sur un peu plus d'une vingtaine d'années. 22 ans, précisément. C'est la durée qui sépare le début de cette histoire de ce matin du 11 septembre 2001, jour de la plus spectaculaire série d'attentats de tous les temps. Durant cette période, une multitude d'événements vont se succéder, comme un engrenage infernal qui nous conduirait inexorablement vers le jour J. Nous allons tenter de parcourir à nouveau cette route. Elle traverse un monde arabe en pleine mutation, un empire soviétique en déliquescence, une Amérique aux mains d'apprentis sorciers et objet peu à peu de toutes les haines. Nous nous arrêterons à chaque carrefour, à chaque moment où l'histoire aurait pu être autre. Mais en 22 ans, rien ni personne n'est parvenu à faire dévier le destin. Mektoub, disent volontiers les Arabes. Mektoub, cela veut dire « c'était écrit ». jours nous séparent encore du 11 septembre 2001, lorsqu'éclate la révolution iranienne. Le Shah est renversé, laissant la place à un régime islamique mené par les dignitaires chiites du pays. Les États-Unis, qui perdent l'un de leurs principaux alliés dans la région, deviennent le grand Satan, l'ayatollah Khomeini, le maître de l'Iran. Ce qu'on a retenu, c'est que les islamistes peuvent faire tomber le gouvernement d'une nation importante et prendre le pouvoir. Ça a démontré aux islamistes, vous voyez, les ayatollahs l'ont emporté en Iran contre le Shah. Malgré tout son pouvoir et toute sa fortune, il a été renversé par une rébellion populaire menée par les équivalents des mollahs. Vous pouvez faire la même chose dans votre pays. Tandis que le monde entier a les yeux rivés sur l'Iran, un groupe d'islamistes radicaux tente le coup de force à son tour en Arabie Saoudite. Le commando prend en otage des dizaines de milliers de pèlerins dans la grande mosquée de la Mecque. Lors de l'assaut final, des centaines de personnes trouvent la mort. 63 membres du commando sont décapités sur la place publique. Mais le vent de la révolte souffle dans toute la région. Et malgré la répression des régimes en place, les circonstances historiques vont indirectement renforcer le pouvoir des islamistes. Pour comprendre l'importance des événements de la Mecque de 1979, il faut garder deux choses à l'esprit. D'abord, le déroulement des événements qui les ont précédés. Ensuite, les faits qui se produisaient au même moment. C'est-à-dire la révolution iranienne et l'invasion soviétique en Afghanistan. Ces trois facteurs ont fait des années 80 l'âge d'or de ce qu'on appelle la Sahwa, la Renaissance, ou le réveil du monde musulman.
L'opération Bourrasque 333 vient de commencer. C'est le nom de code donné par les soviétiques à l'invasion de l'Afghanistan. L'armée rouge qui a pris contrôle de l'aéroport de Kaboul, en quelques heures, déferle sur la route qui traverse le pays d'est en ouest. La route des invasions. Au même moment, au Kremlin, la vieille garde du Politburo a toujours la main mise sur l'URSS. La décision d'envahir l'Afghanistan est pratiquement prise en secret, au plus haut sommet de l'État. Au sein du Politburo, deux personnages qui vont changer le monde voient cette intervention d'un très mauvais œil. Gorbatchev et moi, nous étions stupéfaits quand nous avons appris que l'armée soviétique était entrée en Afghanistan. Il y a deux ou trois membres du Politburo qui ont pris cette décision, pas plus. Dès le début, j'étais opposé à l'invasion, moi et Gorbatchev. Même aujourd'hui, j'ai encore le souvenir de la manière dont les gens ont été massacrés et des quantités de victimes des deux côtés. Les maisons détruites, les villes rasées. C'était de la barbarie. Bien sûr, l'Afghanistan a toujours été un pays impossible à conquérir. Personne n'y est jamais parvenu. On peut voir les choses de cette façon. Mais je pense que l'expérience américaine a montré qu'un pays pourtant infiniment plus puissant que le Vietnam ne pouvait pas gagner la guerre s'il était combattu par une nation entière. Il était impossible d'y parvenir. Et quand l'Union soviétique est entrée en Afghanistan, je suis sûr que les spécialistes qui définissaient la politique étrangère à Washington se sont dit « ce sera peut-être le Vietnam de l'Union soviétique ». Et ils avaient complètement raison. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Les durs du Politburo trouvent face à eux aussi durs qu'eux. S'engage un nouveau bras de fer, typique de la guerre froide, où Union soviétique et États-Unis se battent par pays interposés. Dès le début, en 1979, nous nous sommes dit que ça pourrait être le Vietnam des Soviétiques. Que cette guerre allait être beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Et qu'on pourrait très simplement faire monter les enchères en armant les combattants de la liberté afghans, en leur donnant des munitions et de l'argent, pour être sûr qu'ils puissent continuer le combat, et donc que ça nous permettrait de saigner à blanc les Soviétiques, ce qui les amènerait à se retirer. C'était en quelque sorte nos voyous contre leurs voyous. On voulait pour une fois que ce soit nos salopards qui gagnent contre les leurs. Il y avait là l'occasion d'infliger aux Soviétiques une défaite en Afghanistan qui serait aussi une défaite stratégique contre l'Union soviétique elle-même. L'histoire a montré que c'était vrai. Nous sommes en pleine guerre froide et en pleine redistribution des cartes dans le monde arabe. Depuis 1970, en Égypte, Sadat a remplacé Nasser et le pays a désormais quitté le camp soviétique pour le camp américain, au lendemain de la guerre dite d'octobre en 1973. Quelques années plus tard, en 1978, Sadat signe le seul accord de paix entre Israël et un pays arabe. Il fait suite aux accords de Camp David, arrachés par le président américain Jimmy Carter aux deux ennemis de toujours. Mais le geste de Sadat mécontente une partie de son peuple, et notamment les frères musulmans. Cette organisation qui prône un islam politique radical est apparue à la fin des années 20 pour lutter contre l'occupant britannique. Interdite, ou à peine tolérée selon les époques, elle a toujours été perçue comme une menace par les pouvoirs en place.
Sadat va pourtant tenter de composer avec ce mouvement, traditionnellement très populaire en Égypte. Sadat voulait se donner une légitimité propre. Il voulait diriger en son propre nom. Qui s'opposait à lui? Les marxistes, les socialistes, les nasséristes? Lui qui était si pragmatique et même, on peut dire, opportuniste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les frères musulmans de prison. Il y a des preuves qu'ils ont reçu une aide gouvernementale, qu'on les a financés, qu'on les a aidés à s'organiser. On a la preuve formelle que la reconstruction du groupe s'est faite à l'époque avec la bénédiction et le soutien du gouvernement. Sadat a probablement oublié d'introduire un autre élément pour contenir ce nouveau démon. Quand on s'intéresse aux derniers jours de Sadat, il paraît tout à fait évident qu'il vivait assez isolé dans son propre monde. Il a commencé à se faire appeler le héros de la guerre et de la paix, le président loyal. Il faisait la couverture de Time Magazine, il passait sur CBS, et il a perdu de vue ce qui était en train de se passer. Et ce qui était en train de se passer, c'est que les islamistes étaient désormais partout. Nous sommes donc allés au défilé. Sadat, bien sûr, était une personnalité très médiatique. Et il aimait être entouré par les médias. Il était donc entouré en permanence des journalistes et des caméras de télévision. Nous sommes allés au défilé, nous étions assis. Vous étiez là, vous ? J'étais assis là-bas. J'étais assis à moins de 50 mètres à la gauche de Sadat. Et puis, la fusillade a commencé. S'il n'y avait pas eu le traité de paix, je ne pense pas que le djihad islamique aurait assassiné Sadat. Pour les islamistes, la Palestine était intouchable. Il ne fallait pas trahir la Palestine. Et je pense qu'aujourd'hui encore, elle est toujours au centre de la cause islamiste. Mais pour eux, Sadat avait trahi la cause palestinienne. On peut faire sortir un lion de sa cage. Mais plus le lion grandit, et même si on le garde avec soi à la maison et qu'on le câline, et qu'on joue avec lui, ce qu'on ignore, c'est que le lion, une fois grand, oubliera tout ce que vous avez fait pour lui. Le meurtrier de Sadat a été arrêté sur les lieux. C'est un lieutenant de l'armée égyptienne. Mais en tout, ce sont près de 300 islamistes qui sont arrêtés pour l'occasion. Derrière les barreaux, les futurs cadres de la nébuleuse islamiste qui va œuvrer à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. La présence massive de la presse internationale va leur donner une tribune exceptionnelle, et notamment à celui qui se pose comme leur porte-parole, Ayman al-Zawahiri. This is our word by Dr. Ayman al-Zawahiri. Now, we want to speak to the whole world.
Who are we? Who are we? Why did they bring us here? And what we want to say? About the first question, we are Muslims. We are Muslims who believed in their religion, in its broad meaning, as both an ideology and practice. We believed in our religion, both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic state and Islamic society. La ilaha illallah! La ilaha illallah! Tout au long de cette route du 11 septembre, pour en savoir davantage sur les personnages qui composent la galaxie islamiste, nous avons fait appel au service de Gérald Post. Il est spécialisé dans le profilage psychologique des différents leaders du monde arabe. Ce psychiatre a également conseillé la CIA en fournissant à l'agence les profils des grandes figures du terrorisme mondial. Who are we? Who are we? Why did they bring us here? In this photo, sur cette vidéo, nous voyons qu'il a des notes. Nous le voyons livrer des propos destinés à capturer l'attention du monde entier. Et ce fut le cas. Il est intéressant de noter qu'il a une formation de médecin. Comment un médecin peut-il devenir le leader d'une organisation terroriste violente? Cela contredit l'image du terroriste dans l'imaginaire collectif. Voilà un médecin qui a reçu une très haute éducation, qui est d'ailleurs chirurgien, et qui sera plus tard, entre autres, le médecin personnel d'Oussama Ben Laden, avec qui il a cofondé Al-Qaïda. Ce qu'Ayman al-Zawahiri a très bien compris, c'est que le terrorisme est, pour utiliser un cliché qui est néanmoins très juste, une guerre pour gagner les cœurs et les esprits. Le terrorisme relève toujours de la guerre psychologique, mais ils ont élevé cet aspect à un degré inédit. Les juges prononcent 5 condamnations à mort contre les assassins de Sadat. Ayman al-Zawahiri sera libéré après 3 années passées dans les geôles égyptiennes. Il y sera torturé et livrera les noms d'un certain nombre de leaders islamistes clandestins. Ces années sont capitales dans l'itinéraire d'al-Zawahiri. Elles ne font que renforcer son radicalisme et sa haine du régime, dans la droite ligne de son maître à penser, Sayyid Qutb, le père spirituel de l'islamisme le plus radical. Cadre important du mouvement des frères musulmans, Qutb a été condamné à mort et exécuté en 1966. Montasser al-Zayat était un proche d'al-Zawahiri, qu'il a côtoyé durant leurs années de détention. Al-Zayat était à l'époque son avocat. Les deux hommes ont été compagnons de route durant les années 80. Durant toute la période de sa détention, son esprit était marqué par les aveux faits au cours de ses interrogatoires, malgré son statut de grand cadre ou leader dans le monde des organisations secrètes radicales. Mais après sa sortie de prison, il a commencé à recouvrer son intellect et retrouver sa capacité à manœuvrer. Al-Zawahiri était très influencé par la pensée de Sayyid Qutb. C'est la raison pour laquelle il disait fréquemment qu'il fallait faire chuter le régime. Il pensait que cela ne pouvait se faire sans une intervention militaire, et pour ce faire, il espérait toujours avoir au sein même de l'institution militaire des membres infiltrés. Ainsi, même s'il n'avait pas un rôle direct dans l'assassinat de Sadat, les services de sécurité ont pris la mesure du danger qu'il représentait.
En effet, ils se sont rendus compte par chance, après avoir mis la main sur lui, qu'il disposait de toute une organisation au sein des forces armées. Plus de 24 officiers. C'est là où résidait la dangerosité d'Ayman al-Zawahiri. Peshawar, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, est désormais la plaque tournante de la guerre contre les soviétiques. L'aide aux résistants afghans, les Mujahideen, s'organisent avec le soutien des puissances occidentales, États-Unis en tête. Un important bureau de coordination est constitué à Peshawar, le MAC, pour Maktab al-Khidamat, appelé aussi le bureau des services. C'est ici que transite l'international des volontaires venus combattre les communistes aux côtés des Afghans. À la tête du bureau des services, un religieux d'origine palestinienne vénéré par ses troupes, Abdullah Azam. Azam est l'homme clé de la politique de recrutement des volontaires musulmans qui, au nom de la guerre sainte, le djihad, afflue du monde entier. Mon nom de guerre est Abdullah Anas. Mon vrai nom est Boudjema Bounoua. Je suis né en Algérie. Dans ma jeunesse, mon rêve, c'était de mener le djihad pour Allah. C'était l'espoir de n'importe quel jeune musulman à l'époque. J'ai été l'un des fondateurs du bureau des services avec Sheikh Abdullah Azam. Et à la fin de 1984, Oussama Ben Laden nous a rejoints comme cofondateur. Il venait d'une famille riche et pouvait assurer toutes les dépenses du bureau. Quant à Zawahiri, c'est une autre histoire. Quand il est venu en Afghanistan, il est arrivé avec sa propre idée, qui était liée à la rivalité qui existait entre Jamaat al-Tawhid wal Jihad, ce groupe djihadiste égyptien, et les frères musulmans. Ils se détestaient. Donc, quand il a été libéré de prison et qu'il est arrivé à Peshawar, il ne faisait pas partie du bureau des services. Il n'était pas avec Sheikh Abdullah Azam, Ben Laden et nous. Sa priorité était d'empêcher les gens sur place de rejoindre les frères musulmans. Et donc de ne pas suivre Abdullah Azam, qui les aurait automatiquement menés chez les frères musulmans. Ça, c'était dans sa tête. Ce n'était pas vrai. Mais je pense que sa rivalité avec les frères musulmans en Égypte l'avait rendu complètement paranoïaque. Et il a amené ce conflit avec lui à Peshawar. Je me rappelle, j'étais le numéro 14 à la fin de l'année 83. À la fin des années 80, on était peut-être 3 ou 4 000 Arabes et musulmans. On était de plus en plus nombreux. Jusqu'en 88, Oussama Ben Laden, Sheikh Abdullah Azam et nous tous, qui avions fondé le bureau des services, on travaillait ensemble. Mais fin 88, Oussama est parti rejoindre ce groupe djihadiste égyptien, le Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, et on y trouvait des gens comme Zawahiri, Sayyad Imam, Abdul Fadl. Ils ne participaient pas au djihad en Afghanistan. Ils étaient venus à Peshawar avec leur propre stratégie. Personne ne connaissait leurs intentions. Ils étaient très peu nombreux. Ils se sont mis au travail, ont été rejoints par Oussama Ben Laden. Ils ont formé un groupe et sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Qaïda.
pièces essentielles du puzzle apparaissent alors aux États-Unis, à 12 000 km de là. Nous sommes au milieu des années 80. Des informations sensibles en provenance de l'armée américaine parviennent directement aux islamistes d'Afghanistan via un canal mystérieux. Il faudra plusieurs années pour en connaître le responsable. Il est l'un des principaux acteurs que nous rencontrerons sur notre route du 11 septembre. Il s'agit d'un ancien officier de l'armée égyptienne, désormais citoyen américain, Ali Mohamed. Ali Mohamed vit aujourd'hui au secret, sous une fausse identité. 20 ans après, le mystère qui entoure son histoire est toujours aussi épais. Jack Clunan était à l'époque chargé de l'enquête pour le FBI. Depuis la guerre d'Afghanistan jusqu'aux attentats de 2001, il a suivi toutes les étapes et les ramifications du terrorisme islamique. Ali Abdul Saoud Mohamed était un personnage fascinant, très intelligent, et qui adorait parler de tout ce qui avait trait au monde des opérations clandestines. C'était un proche d'Ayman al-Zawahiri. Il était très hostile au gouvernement Moubarak. Comme vous le savez sans doute, il avait été exclu des forces spéciales égyptiennes en 1981. À cause de ses sympathies islamistes. Il a été impliqué, dans une certaine mesure, dans l'assassinat de Sadat. Partout où on regardait, on tombait sur ce type, Ali Mohamed. On se disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-il? Il va falloir le surveiller sérieusement. Ayman al-Zawahiri lui avait spécifiquement ordonné d'infiltrer l'appareil gouvernemental américain. Il a essayé de se faire recruter par le FBI. Il a certainement travaillé pendant un temps pour la CIA comme correspondant, mais pas très longtemps. Et ils ont eu le bon sens de se débarrasser de lui. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée à 34 ans, après avoir servi comme colonel dans les forces spéciales égyptiennes. 1987. Ali Mohamed est intégré dans les troupes d'élite du prestigieux régiment de Fort Bragg, en Caroline du Nord. Fait sans précédent, il continue ouvertement ses missions pour les Moudjahidines en Afghanistan, alors qu'il est soldat américain. C'est une violation de la loi de neutralité. C'est illégal. Il n'aurait pas dû pouvoir le faire. Que faisait Ali en Afghanistan? Quelle connexion établissait-il? Pourquoi on se remettait à lui? Est-ce qu'il fournissait aux Moudjahidines des informations qui pouvaient nuire aux intérêts américains? La réponse a fini par être très claire. Il travaillait pour Ayman al-Zawahiri à cette époque. Est-ce qu'on savait à l'époque qui était al-Zawahiri? Est-ce que dans les années 80, on considérait Ayman al-Zawahiri, islamiste égyptien, comme une menace? La réponse est non. On ne voyait pas les choses comme ça. Au cours de manœuvres militaires conjointes, les Égyptiens sont alarmés par la présence dans les rangs américains d'Ali Mohamed. Ils savent qui il est, connaissent ses connexions dans les milieux terroristes. Il est immédiatement rapatrié aux États-Unis, où l'affaire est classée sans suite. À l'évidence, Ali est un manipulateur. Il se croyait plus malin que la CIA, le FBI et le monde entier. Mon commandant à Fort Bragg, les autres officiers de l'unité, et aussi moi-même, nous demandions tous comment Mohamed Ali est-il arrivé aux États-Unis. Comment a-t-il atterri dans l'armée américaine? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des sanctions dans l'armée après cette histoire? Pas que je sache, non. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais à votre avis? Je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Vous devez bien avoir une idée. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. À l'évidence, rien de tout ça n'aurait pu se produire s'il n'y avait pas eu quelque chose à l'œuvre à un plus haut niveau.
Mais ce que c'était, je n'en ai aucune idée. Pour tenter de comprendre ces dysfonctionnements, ces ratages et pourquoi il n'y a pas eu d'enquête, il faut se rendre à Brooklyn, à deux pas de Manhattan et des tours du World Trade Center. C'est ici que se trouve la petite mosquée Al-Farouk, carrefour essentiel de notre route pour les 10 ans à venir. La mosquée Al-Farouk de Brooklyn est à l'époque le siège du centre Al-Kifa, qui n'est autre que l'antenne américaine du bureau des services de Peshawar, dirigée par Abdullah Azam. Le centre des réfugiés Al-Kifa avait clairement pour vocation de recruter des Moudjahidines pour aller faire la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan. Mais à cette époque, on ne le voyait pas comme un danger, une menace intérieure. Je dirais qu'à l'époque, on le percevait plutôt comme une organisation étrange. Nous ne comprenions pas vraiment ce qu'étaient les Moudjahidines, à part qu'ils luttaient contre ceux qui étaient à l'époque nos ennemis, les soviétiques. Alors, quel mal pouvait-il y avoir à cela ? Ça a fini par être un vrai dilemme. Et avec le temps, notre perception du centre des réfugiés Al-Kifa a complètement changé. Autour de la mosquée gravitent quelques individus qui s'entraînent ensemble au maniement des armes et aux techniques de combat. Officiellement, ils ont l'intention de rejoindre le djihad en Afghanistan. Et leurs activités n'inquiètent pas les autorités. D'autant que leur professeur est lui-même sous-officier dans l'armée américaine. Il s'appelle Ali Mohamed. Je comprends pourquoi les Moudjahidines l'ont utilisé à leur avantage. Pourquoi se serait-il abstenu? Voilà un type qui est dans l'armée américaine, à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il a accès aux cartes, il a accès à tous les meilleurs livres et à toutes les données de référence que possède le gouvernement américain sur les opérations militaires. C'est lui qui, tout seul, a pris tout ce matériel d'entraînement, l'a traduit de l'anglais en arabe et l'a envoyé aux Moudjahidines. Ali Mohamed a créé l'encyclopédie du djihad. Le programme d'entraînement qui a été utilisé dans tout l'Afghanistan. En Afghanistan, la guerre s'enlise. Les soviétiques ont une totale maîtrise des airs, mais sur le terrain, les Moudjahidines parviennent à contrôler une grande partie du territoire. Les États-Unis de Ronald Reagan décident alors d'intensifier leur politique de soutien aux résistants afghans. C'est l'heure de la guerre des symboles. La fraternité internationale soviétique contre le monde libre rangé sous la bannière américaine. Represents man's finest aspirations in the field of science and technology. So too does the struggle of the Afghan people represent man's highest aspirations for freedom. I am dedicating on behalf of the American people the March 22nd launch of the Columbia to the people of Afghanistan. Reagan avait défini l'Union soviétique comme l'empire du mal. On parle de bien et de mal. Ici, on est dans le domaine du religieux. Car il y avait une croisade contre les communistes, les ennemis de Dieu. Et la droite chrétienne soutenait avec enthousiasme la politique qui consistait à combattre le communisme. Là où ça devient intéressant, et j'imagine que vous allez poursuivre dans cette voie, c'est que dans cette croisade contre les communistes ennemis de Dieu, qui avons-nous soutenu dans les années 80 en Afghanistan? Les fondamentalistes islamiques. Vous savez, à l'époque, le djihad, ce n'était pas un mot péjoratif. Aujourd'hui, le djihad, dans le vocabulaire américain, je suppose que c'est pareil dans le vocabulaire européen, est devenu synonyme de terrorisme. Mais sous l'ère Reagan, quand les États-Unis soutenaient les combattants de la liberté afghan, djihadiste était synonyme de combattant de la liberté. C'est comme ça que Reagan, le grand communicant, appelait toujours les Moudjahidines les combattants de la liberté. Reagan a ouvertement soutenu les djihadistes, y compris certains qui sont maintenant nos ennemis.
Nous poursuivons notre route en direction de McLean, dans la banlieue de Washington. Nous y sommes attendus par des agents de la CIA, chargés à l'époque de mettre en œuvre cette politique d'apprenti sorcier voulue par Ronald Reagan. C'est dans ce quartier cossu, à des années-lumière des conflits qui ravagent le monde, que se décide une partie du sort de la planète. J'ai commencé à travailler en décembre 1985 sur ce qui était, et est toujours, la plus vaste opération clandestine de la CIA, celle qui visait à soutenir les Moudjahidines afghans. Les services secrets pakistanais, l'ISI, ont joué un rôle majeur. Les Pakistanais entraînaient les Afghans, leur distribuaient les armes et franchement, ils faisaient un travail terriblement efficace. En termes de tactique, nous n'avions pas vraiment d'impact sur le terrain. Les Afghans faisaient ce qu'ils voulaient. Et tant qu'ils tuaient des Soviétiques, c'était ça le but principal de l'opération. Donc nous n'avions pas à nous plaindre. Les armes sont livrées en masse aux différentes factions de la résistance afghane, selon un classement fourni par les Pakistanais. En tête de leur liste, les chefs islamistes les plus radicaux, ceux dont ils sont les plus proches, comme Gulbuddin Hekmatyar. Les Pakistanais nous disaient, c'est lui le plus efficace militairement. Et donc, nous avions une liste qui disait qui tuait le plus de Soviétiques, qui abattait le plus de cibles, et c'était Gulbuddin. Mais pourtant, ce dont les Américains ne se rendaient pas compte, c'était que les décisions des Pakistanais se basaient autant sur des intérêts politiques que militaires. Gulbuddin ne se comportait pas comme un islamiste à cette époque. Je ne le voyais pas comme un islamiste. Il avait des buts politiques, bien sûr. Mais je pense que personne ne le voyait comme un islamiste qui allait s'associer à Ben Laden. On ne savait même pas qui était Ben Laden à l'époque. On ne l'a pas repéré avant plusieurs années. Majoritairement républicain, en phase totale avec la croisade anticommuniste du président Reagan, le Congrès vote sans hésiter les rallonges budgétaires nécessaires à la lutte contre les Soviétiques en Afghanistan. Depuis le début des années 80, un accord secret passé avec l'Arabie saoudite prévoit même un doublement des crédits grâce au pétrodollar saoudien. Pour la famille royale saoudienne, ce n'était pas une mission islamique. C'était juste un service rendu aux Américains. Mais en fait, ça a aidé la cause islamiste. Parce que ça a permis aux islamistes de se rendre en Afghanistan avec l'aide de leur gouvernement et sous protection américaine. Ça leur a permis de mener le djihad, la guerre sainte, grandeur nature. C'est la première fois qu'ils ont pu mettre en place le djihad à grande échelle. Pas seulement les Afghans, mais tous les Arabes qui voulaient se joindre au djihad. Les États-Unis sont les premiers à inciter les volontaires à partir pour le djihad en Afghanistan combattre les Soviétiques. La CIA contrôle la filière de recrutement de ces islamistes qui, quelques années plus tard, deviendront leurs bêtes noires. Il y avait des Palestiniens, des Libyens, des Libanais, des personnes d'Asie du Sud, des Pakistanais, des Indiens. La CIA et Ben Laden, qui étaient alors un atout, recrutaient des gens qui allaient aux États-Unis pour y être entraînés, éduqués, récompensés, débriefés. Et après, on les envoyait combattre les Soviétiques en Afghanistan. En gros, on leur apprenait à faire sauter des choses et à en abattre d'autres. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je vous dise que la CIA n'a pas de commentaire à faire sur ce sujet, mais je pense que l'histoire mérite mieux.
Il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire qui permette à l'agence d'aider des gens à avoir un visa. Je pense que si l'agence avait un intérêt opérationnel à faire entrer quelqu'un aux États-Unis, il y aurait une forte probabilité pour qu'elle demande de l'aide aux affaires étrangères. Je pense que ce serait la procédure normale. La CIA est très étroitement liée aux affaires étrangères. Entre un tiers et la moitié des gens qui travaillent aux affaires étrangères travaillent en réalité pour une des agences de renseignement. Ça reste dans la famille. Par exemple, la CIA peut délivrer au moins 50 cartes de résident permanent sans justification pour des questions de sécurité nationale. Comment douter que la CIA ait eu des liens avec au moins quelques-uns des djihadistes au moment où ils luttaient contre l'armée soviétique? Ils avaient un but commun. Ben Laden ne cachait pas que pour lui, l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. On n'est pas obligé de coucher ensemble, mais on a un ennemi commun. Ils travaillaient ensemble, historiquement ça ne fait pas de doute, c'est maintenant avéré. Mais je ne suis pas partisan de la théorie du complot, des gens qui disent que Ben Laden est une créature de la CIA. Je ne suis pas non plus assez idéaliste pour penser que la CIA a fait tout ça pour les beaux yeux de l'islam. Ils avaient chacun leurs propres intérêts, des intérêts qui ont pu converger à un moment donné. L'Union soviétique tuait beaucoup de moudjahidines parce que ces derniers n'utilisaient pas correctement les armes antiaériennes qu'ils avaient, les SAM-7, ou alors parce qu'ils ne marchaient pas. Il s'est finalement avéré que ces SAM-7, acquis en Pologne, venaient d'une réserve de munitions que l'armée soviétique avait sabotée. Ils étaient donc parfaitement au courant que l'Ouest fournissait des SAM-7 aux Moudjahidines et qu'ils ne marchaient pas. Le président Reagan décide que l'aide aux Moudjahidines ne sera plus clandestine. C'est le tournant de la guerre. La livraison de missiles américains Stinger à la résistance va changer le cours de l'histoire. Les Soviétiques ont été complètement pris par surprise. Ils ont complètement été pris par surprise quand les Stingers sont apparus. Et ils ont perdu beaucoup d'hélicoptères avant de réaliser ce qui était en train de se passer. Les missiles Stinger donnent soudainement l'avantage à la résistance. Et par la même occasion, aux volontaires arabes qui se battent à ses côtés. C'est l'apogée des djihadistes, de plus en plus grisés par les victoires qui s'enchaînent. Nous savions tous que les Arabes étaient actifs en Afghanistan et qu'ils voyaient ça comme l'opportunité de revigorer la doctrine du djihad. Mais à l'époque, ils étaient du côté des anges. Ils tuaient les Russes et ils étaient très contents de se battre et de mourir. Et on se disait, prenons les choses dans l'ordre. La guerre froide était clairement alors notre plus gros problème. L'Union soviétique se trouve dès lors face à un choix stratégique difficile. Augmenter massivement ses troupes en Afghanistan alors que l'Empire est déjà à bout de souffle, ou bien se retirer. Donc je suis allé en Afghanistan. Nous nous sommes réunis avec les officiers et les soldats. Environ 800 personnes assistaient à cette réunion.
En tant que membre du Politburo, j'ai pris la parole. Je les ai salués et je leur ai dit que j'avais une bonne nouvelle à leur annoncer. Le gouvernement soviétique a décidé votre retour au pays. Je m'attendais à ce qu'ils se lèvent pour m'applaudir. J'attendais des ovations. Personne n'a bougé. Ils ne voulaient pas rentrer. Parmi eux, plusieurs sont devenus des millionnaires. Certains vendaient des armes, d'autres faisaient du trafic d'or. Et du trafic de drogue. Et du trafic de drogue. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction, je leur ai dit, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Et puis l'Union soviétique s'est retirée en 89 et ça a été spectaculaire. Ça n'a pas été un retrait progressif comme nous sommes en train de le faire en Irak. Non, ça a été très impressionnant. Toutes les troupes soviétiques en une seule colonne, toutes celles qui restaient, elles ont traversé le fleuve Termez à la frontière avec l'Ouzbékistan. Un retrait spectaculaire, à une date précise. Et aux États-Unis, on s'est complètement désintéressé de l'Afghanistan parce que notre mission était de bouter les Russes, ennemis de Dieu, hors d'Afghanistan. Et c'était fait. Mission accomplie. L'Union soviétique, c'était réellement l'empire du mal. Si on avait laissé l'Union soviétique perdurer encore 10, 20, 50 ans, combien seraient morts, comparé aux 3000 victimes du 11 septembre? Si c'était à refaire, si on me demandait aujourd'hui, avec tout ce que nous savons maintenant, de prendre les mêmes décisions que celles que nous avions prises en 1985, oui, je le referais. Nous avons subi une conséquence inattendue du fait d'avoir temporairement soutenu et peut-être excité un mouvement islamiste violent. Tout cela dans le but de vaincre l'Union soviétique. Je pense que ça en valait la peine. Une fois l'envahisseur parti, c'est là que les choses ont commencé. Quand ces gens qui avaient désormais des armes, et des armes modernes, qui avaient gagné cette guerre et qui en étaient très fiers, ont commencé à se dire, tiens, on pourrait aussi faire des choses ailleurs. Dans les semaines qui suivent le retrait soviétique, les chefs de guerre afghans, jusque-là alliés contre l'envahisseur, se déchirent. L'Afghanistan sombre rapidement dans la guerre civile et le chaos. The end of the war in Afghanistan actually was a happy ending for the Arab fighters. But they were La guerre d'Afghanistan s'est bien terminée pour les combattants arabes, mais dès le lendemain, ils ont déchanté. Afghanistan was liberated, the Soviet troops were defeated. Oui, d'accord, l'Afghanistan a été libéré, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? But what happened next? Une guerre civile entre Mujahideen. Mujahideen groups. So the Arab found themselves Les combattants arabes se sont retrouvés pris au piège. Ils ne savaient pas de quel côté se ranger, avec qui s'allier, qui a raison, qui a tort. Et l'autre problème, c'était où aller désormais. Ok, mission accomplie. Et maintenant? C'était une énorme erreur de la part des États-Unis de simplement se retirer, de quitter l'Afghanistan comme on l'a fait. Il y avait des millions de réfugiés qui ont traversé la frontière et qui vivaient dans les camps de réfugiés au Pakistan. Là encore, le lien avec ce qui se passe aujourd'hui est évident. Ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait, c'est de mettre en place un programme pour aider ces réfugiés à rentrer chez eux et reprendre leur vie. Mais
on avait décampé. Et donc, les camps de réfugiés ont continué d'exister. Et c'est de ces camps-là que viennent la plupart de ceux qui font les attentats suicides. Je pense qu'en abandonnant ce pays, en nous retirant et en leur coupant les vivres après avoir crié victoire, nous avons semé les graines du conflit actuel. Alors que l'Union soviétique, minée par l'échec afghan, entame sa décomposition, le monde entre en quelques semaines dans l'après-guerre froide. À Berlin, en ce qui était encore à l'époque la RDA, la République démocratique d'Allemagne, un mur s'effondre. Le monde se prend à rêver, à espérer. Mais rapidement, l'incertitude ramène les grands de ce monde à leur vieille querelle. La guerre du Golfe est le premier conflit de l'après-guerre froide. Affranchi de la tutelle soviétique, l'Irakien Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït voisin. Les pays arabes s'allient sous la bannière américaine contre lui. Les Moudjahidines afghans font les frais de ces nouvelles alliances. Ils ont éprouvé beaucoup d'amertume à l'égard des Américains et se sont sentis insultés, humiliés. Ils ont cru qu'ils seraient récompensés par des maisons, du travail, une vie meilleure. Mais à la place, ils se sont retrouvés abandonnés, complètement perdus. Après ce qui est arrivé à l'Union soviétique en Afghanistan, la CIA s'est approprié le mérite des opérations clandestines qu'elle avait menées. Les Saoudiens se sont appropriés le mérite de l'argent et des personnes qu'ils avaient envoyées pour faire le djihad. Tout le monde s'est attribué le mérite de la victoire, mais ils ont tous oublié les forces combattantes islamistes, pour qui le mérite revenait à Allah. Et personne n'a pensé à mettre en place une véritable stratégie ou une politique pour contenir ces forces. En fait, ils ont fait l'inverse. Les Moudjahidines qui voulaient retourner dans leur pays n'ont pas pu pour la plupart. Ils étaient indésirables. Aucun gouvernement arabe ne voulait les accueillir à nouveau parce qu'ils étaient vus comme une menace. Alors certains sont allés poursuivre le djihad en Bosnie, d'autres sont ensuite allés en Tchétchénie. Ils étaient là, il y avait toute une armée de djihadistes expérimentés, certains pour le combat, certains pour l'espionnage, d'autres pour les relations avec les médias, enfin dans tous les domaines. Il leur fallait juste quelqu'un pour les rassembler. Oussama Ben Laden va trouver dans les suites de la guerre du Golfe la cause qui va lui permettre de fédérer cette armée djihadiste derrière lui. Saddam Hussein a bien quitté le Koweït, mais il reste le maître de l'Irak. La coalition internationale renonce à le poursuivre jusqu'à Bagdad. Mais les troupes américaines ne quittent pas la région. Notamment l'Arabie Saoudite, qui reste leur base principale. La présence prolongée des troupes américaines sur la terre sacrée de la péninsule arabique fait monter la colère dans le monde musulman. Les Saoudiens nous envoyaient toutes sortes de signaux pour nous faire comprendre qu'il était peut-être temps que nous partions. Je me rappelle avoir dit à Washington que c'était un peu comme après un dîner. Votre hôte s'est levé, sa femme est allée se coucher, il vous dit qu'il doit sortir le chien, il a éteint la lumière et l'air conditionné, mais vous, vous restez assis, vous ne partez pas, vous ne comprenez pas que vous devez partir. Et le fait que nous n'ayons pas compris, que nous soyons restés si longtemps, alors que nous n'étions plus les bienvenus, est une des raisons pour laquelle Al-Qaïda a pu s'implanter en Arabie Saoudite. Sans cette désinvolture,
cette complaisance vis-à-vis du soutien saoudien, Al-Qaïda n'aurait probablement pas pu recruter ces 19 pirates saoudiens pour les attentats du 11 septembre. Depuis le retrait soviétique d'Afghanistan, le conflit qui déchire la direction du bureau des services de Peshawar s'est déplacé sur le sol américain. Avec comme point névralgique la mosquée Al-Farouk, à Brooklyn. Une adresse que nous retrouvons à ce stade de notre itinéraire. C'est ici que se trouve l'antenne américaine de ce centre de coordination monté lors de la guerre d'Afghanistan par le religieux palestinien Abdullah Azam. Azam vient d'être assassiné à Peshawar. Quelque temps plus tard, le responsable de l'antenne de Brooklyn, Mustafa Chalabi, est tué à son tour. Les soupçons se portent rapidement sur son associé au sein du centre de Brooklyn, le cheikh Abdelrahman. Le cheikh aveugle, très actif dans le recrutement des combattants pour l'Afghanistan, est l'un des leaders du clan des Égyptiens, aux côtés d'Al-Zawahiri. C'est à la suite d'une dispute avec le cheikh aveugle que Chalabi est assassiné à Brooklyn. À ce jour, l'assassinat de Mustafa Chalabi n'a pas été élucidé. Mais nous sommes parvenus à en comprendre les causes. Chalabi était le représentant d'Abdullah Azam. Mais il était aussi égyptien et faisait partie de tout ce groupe d'Égyptiens fidèles au cheikh aveugle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le cheikh est arrivé aux États-Unis, ça a provoqué une division. Les gens qui voulaient rester fidèles à Azam et suivre ses directives se retrouvaient en opposition au cheikh. Ce que voulait faire Azam, l'idée d'Azam, c'était... Je vais faire venir tous ces gens pour qu'ils se battent contre les Russes. Et quand on aura gagné, tout le monde rentre chez soi et on reprend une vie normale. On met les Russes dehors et la guerre est terminée. Pour les gens comme le cheikh aveugle, et même Ben Laden, si on y pense, ce n'était pas la fin, c'était le début. Le 5 novembre 1990 a lieu ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier attentat commis aux États-Unis par cette nébuleuse qu'on n'appelle pas encore Al-Qaïda. Le rabbin extrémiste israélien Meir Kahana est tué en plein Manhattan. L'assassin El-Saïd Nosser est blessé lors de l'attaque. Le FBI réalise alors que Nosser a été photographié lors des entraînements des islamistes de la mosquée de Brooklyn. Après l'assassinat de Meir Kahana, je crois que nous avons découvert l'importance de Saïd Nosser et de ses connexions à l'étranger. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des groupes comme les Frères musulmans ou la Gamma al-Islamia qui avaient des représentants ici. C'était un réseau bien plus large avec des interconnexions multiples. Depuis la guerre en Afghanistan jusqu'au Mujahideen et ce qu'ils voulaient accomplir en tant qu'organisation. Mais les enquêteurs du FBI peinent à prendre conscience des connexions précises qui unissent les premières pièces du puzzle. Des sous-sols de la mosquée Al-Farouk de Brooklyn jusqu'en Afghanistan, en passant par l'Égypte et le Pakistan, une figure d'ensemble commence à peine à apparaître. C'est un avocat new-yorkais qui le premier va réaliser les liens qui unissent ces différents éléments. Il s'appelle Roger Stavis. Il a été commis à la défense d'El Nosser, l'assassin du rabbin Kahana. La ligne de défense de Maître Stavis est simple. Son client fait partie d'une organisation soutenue par les services de renseignement américains. Il commence à fouiller, exhume des documents confidentiels.
Dès que j'ai commencé à travailler sur cette affaire et à examiner les documents qui avaient été saisis au domicile de M. Nosseir, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses sur l'Afghanistan. J'ai trouvé des documents qui venaient de Fort Bragg, de l'école de guerre Kennedy à Fort Bragg. J'ai vu des manuels d'entraînement de tir, des brochures pour apprendre à identifier les appareils soviétiques, les avions, les blindés, tout ce genre de choses. Et si je pouvais montrer que ces personnes se concentraient sur l'Afghanistan, qu'ils aidaient les Moudjahidines conformément à la politique étrangère américaine des années 80, alors je pouvais démontrer qu'ils n'étaient pas en train de mener une guérilla urbaine contre les États-Unis, mais qu'ils faisaient partie, comme je l'ai dit dans mon plaidoyer, de l'équipe de l'Amérique. Alors j'essayais de montrer dans ma défense qu'il y avait un triangle qui allait de Fort Bragg jusqu'à New York, puis en Afghanistan et qui retournait à Fort Bragg. Et la clé de l'histoire, c'était le sergent Ali Mohamed. Ali Mohamed réapparaît précisément à ce moment de l'histoire. Stevis découvre que c'est lui qui est à l'origine de la fuite des documents secrets retrouvés chez Nosseir. Ali Mohamed, alors sergent dans l'armée américaine, se servait de ces documents tandis qu'il assurait l'entraînement au combat du groupe d'islamistes dont Nosseir faisait partie. Il est alors le témoin clé dont Stevis a impérativement besoin pour appuyer sa ligne de défense. Mais Ali Mohamed est introuvable. Je ne savais rien de ses intentions réelles. Je ne pouvais pas le trouver. Je ne savais absolument pas pour qui il travaillait en réalité. Et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas le trouver. Je voulais qu'il témoigne. J'ai envoyé des enquêteurs à sa recherche pour lui remettre une assignation à comparaître qui l'aurait obligé à venir témoigner. Et d'ailleurs, sa femme en Californie ne l'avait pas vu depuis un an à l'époque. Ali Mohamed se trouve pourtant bien en Californie. Mais seuls quelques agents du FBI le savent. Contre toute attente, il vient d'accepter l'invitation à dîner de Jack Clunan, qui cherche à l'utiliser. Il était très suspicieux, et il avait de bonnes raisons de l'être. Parce qu'il savait tout ce qu'il avait fait au cours de ces dernières années, et qui il avait côtoyé. Donc il est venu un soir dîner avec quelques agents et un substitut du procureur fédéral, Pat Fitzgerald, un type formidable. Et on a discuté ce soir-là avec Ali. Et je me rappelle qu'après ce dîner, Pat Fitzgerald m'a dit avec un sourire un peu pincé, « C'est peut-être l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. » Et nous avons décidé que nous avions besoin de sa coopération parce qu'il nous disait toutes sortes de choses. Il nous disait qu'il pouvait disparaître dès qu'il le voulait, qu'il avait des contacts à l'étranger, qu'en fait, il était encore en activité. Nous avons d'abord pensé qu'il exagérait, qu'il inventait ces choses. Mais plus on creusait, plus on se rendait compte qu'il était tout à fait sérieux et qu'il comprenait très bien l'histoire d'Al-Qaïda, qu'il comprenait ce qui se passait en Afghanistan et qu'il avait aidé à y mettre en place des camps d'entraînement. Il savait où se situaient les camps d'entraînement. Il savait quel était le programme d'entraînement des Moudjahidines. Il avait été opérationnel. Donc, nous avons décidé de le convaincre de coopérer. Les connexions se précisent et se multiplient. Ali Mohamed est lié à Ayman al-Zawahiri, qui l'a chargé d'infiltrer l'armée américaine. Lorsque quelques années plus tôt, lors du procès des assassins de Sadat, Zawahiri prend à témoin la presse internationale, à quelques mètres de lui, se trouve un autre personnage clé du clan des Égyptiens, le cheikh Abdelrahman, alias le cheikh aveugle. Le cheikh Abdelrahman est un personnage assez intrigant. Il est devenu aveugle alors qu'il était encore enfant, à cause de son diabète. Il a toujours eu beaucoup de charisme. Pas malgré sa cécité, mais en partie grâce à celle-ci. Je crois que cette apparence fragile fait partie de son charisme. Beaucoup de leaders charismatiques ne sont pas des individus très solides, bien au contraire. Et c'est de ces individus à l'apparence fragile
que viennent ces mots puissants, porteurs de la vérité avec un grand V. Il a longuement été torturé, pendant 3 ans environ, pour avouer son rôle dans la mise en place du climat qui a conduit à l'assassinat de Sadat. Au bout du compte, il n'a pas été condamné, en partie à cause de sa cécité. Comment condamner un homme en raison de ses seuls propos ? Le FBI commence à s'intéresser de près au cheikh aveugle, depuis que de nombreuses cassettes de ses sermons ont été retrouvées au domicile d'El Saïd Nosser, l'assassin du rabbin Kahana. C'était très, très difficile d'obtenir des informations internes. Nous avions acquis beaucoup de renseignements auprès des personnes qui observaient ces groupes de l'extérieur. Mais nous avions du mal à obtenir des informations de première main, venant de ses proches. Le FBI recrute alors un informateur dans la communauté égyptienne, qui parvient à infiltrer le groupe en se mêlant aux fidèles du cheikh. Par peur de représailles, l'homme, qui s'appelait alors Emad Salem, a depuis changé d'identité et vit dans la clandestinité. Il a modifié son apparence pour cet entretien. John Antisef, l'agent John, est venu me voir un jour avec l'agent Nancy Floyd. Et ils ont dit, nous voulons vous montrer une photo. Connaissez-vous cet homme ? J'ai dit, bien sûr, c'est Sheikh Omar Abdelrahman. Qui est Sheikh Omar ? J'ai répondu, il fait partie des gens qui ont commandité l'assassinat de mon président. Eh bien, devinez quoi ? Il est en Amérique. J'ai dit, cela me surprend parce que je sais que depuis qu'il a fui l'Égypte, il est sur la liste des terroristes et qu'il ne devrait pouvoir entrer nulle part. Ils m'ont répondu, eh bien apparemment, il a réussi à venir en Amérique et il vit dans le New Jersey. À ce jour, je ne sais pas pourquoi le cheikh aveugle a reçu un visa pour venir aux États-Unis. Il n'y a jamais eu d'explication satisfaisante. Je crois que même la commission sur le 11 septembre n'a pas pu connaître le fin mot de l'histoire. Clairement, tout le monde savait qui était le cheikh aveugle. Nous savions quel était son discours. Nous savions qu'il représentait une vraie menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Sheikh Omar a demandé à son correspondant à la CIA de pouvoir venir aux États-Unis. C'était sa récompense pour ses efforts lors de la guerre contre les Russes, la guerre russo-afghane. Et d'une façon ou d'une autre, ça a été accepté. Il a reçu sa récompense et a pu entrer aux États-Unis. Tout ce qu'il dit a valeur de loi. Tous ses ordres doivent être obéis. Si l'on fait partie de ce groupe, ce qui a été mon cas par la suite, il faut lui donner la baya, ce qui signifie lui donner sa vie, lui dédier entièrement sa vie. Et une fois qu'il a accepté votre vie, s'il vous demande d'aller vous faire sauter quelque part, vous êtes obligé de le faire, ou de vous jeter par la fenêtre. Il est désormais le propriétaire de votre existence. Emad Salem parvient peu à peu à se joindre au premier cercle des fidèles du cheikh aveugle. Il reçoit l'ordre de l'accompagner en voiture à Détroit, à près de 1000 km au nord-ouest de New York. J'étais assis près de lui et il me pose une série de questions. Ce que je faisais dans l'armée, ce que j'avais comme expérience. Je lui dis, j'étais un très très bon tireur. Je faisais partie de la division des armes et munitions. Je m'occupais des bombes, des missiles, ce genre de choses. Il me répond, d'accord, voilà pour toi l'occasion de plaire à Dieu. Le président Moubarak vient mercredi.
Prépare ton fusil, pointe-le sur sa poitrine et tue-le. Ça m'a pris un quart de seconde pour me remettre du choc. Ensuite, bien sûr, nous sommes arrivés à Détroit. J'ai appelé mes amis égyptiens et j'ai dit au FBI d'annuler la visite de Moubarak. Le voyage a finalement été annulé. Le président Moubarak n'est pas venu. Donc, Dieu merci, je n'ai pas eu à prendre part à ce type d'activité. Emad continue de fréquenter le groupe des islamistes liés à la mosquée Al-Farouk de Brooklyn et à El Nosseir. Désormais totalement infiltré dans le groupe, il ne peut plus reculer. I was in Brooklyn. J'étais à Brooklyn avec Ibrahim El Gabroni, le cousin de Sayed Nosseir. Il m'a dit, mon frère, il faut qu'on fasse quelque chose pour mettre la pression au gouvernement afin qu'il ne fasse plus de problèmes à Sayed. Je lui dis, bien sûr, on doit faire quelque chose. Il me dit, ok, tu sais comment fabriquer une bombe? Je lui dis, bien sûr, c'est notre métier. Il dit, ok, je veux que tu fabriques des bombes. Et je te dirai après, qu'est-ce qu'il te faut? Alors je dis à Ibrahim El Gabroni, il me faut des explosifs, des détonateurs, des gens pour m'aider à fabriquer les bombes, et un endroit sûr pour les fabriquer. Il me dit, ok, je passe quelques coups de fil en Afghanistan. En tant qu'atout de renseignement, comme on dit dans notre métier, on lui avait promis qu'il n'aurait pas à témoigner devant un tribunal dans une affaire criminelle. C'était comme ça. Quand on l'a engagé, on pensait que le problème ne se poserait pas de sitôt. Et donc, quand il s'est retrouvé dans des projets d'assassinat et de confection de bombes, on a dû évidemment passer à la vitesse supérieure. Il fallait passer d'une opération de renseignement à une enquête criminelle. Et il fallait recueillir des preuves pour pouvoir arrêter ces personnes. À ce moment-là, le témoin numéro un, c'était Emad Salem lui-même. Et il ne voulait pas témoigner. Nous essayions de le convaincre de porter un micro lors de ses rencontres avec ces personnes et des discussions qui tournaient autour des assassinats, des meurtres et des bombes pour qu'il puisse les enregistrer. Il a refusé. Comme je l'ai dit, il était très buté, très orgueilleux, et on ne pouvait pas lui faire faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et nos supérieurs voulaient qu'il porte un micro. Et malheureusement, ça a tourné au bras de fer. Alors ils lui ont dit comme ça, si tu ne portes pas de micro, si tu ne témoignes pas devant le tribunal, on arrête de te payer. C'est devenu une ridicule affaire personnelle. Il a d'ailleurs dit, je cite, « You son of a bitch ». Espèce de salopard, tu arrives du Moyen-Orient avec encore du sable dans tes chaussures et tu montes dans mon bureau pour me dire comment diriger le FBI et comment faire mon boulot. Je lui ai dit, monsieur, je fais votre travail. Aucun de vos agents n'aurait pu s'infiltrer si profondément dans cette organisation et moi je l'ai fait. Vous, vous ne le faites pas. Ça l'a encore plus énervé et il m'a dit, sors d'ici. Je suis sorti de son bureau. J'ai regardé Nancy et John, et je leur ai dit, les gars, quand cette bombe sera construite et explosera, pas la peine de venir me voir. Et c'était fini. Je suis parti. Le FBI tente de poursuivre ses investigations, mais il vient de perdre son meilleur atout. Dans son esprit, Emad Salem ayant quitté la scène, le groupe terroriste n'a plus d'artificier à sa disposition. C'est une terrible erreur.
Le cheikh aveugle et ses contacts en Afghanistan ne tardent pas à trouver un remplaçant à Ahmad Salem. Il arrive quelques jours plus tard à l'aéroport Kennedy de New York par un vol en provenance du Pakistan. Et qui débarque aux États-Unis en septembre 1992 ? Ramzi Youssef. Tout de suite, il se met en contact avec les mêmes personnes et devient leur artificier à la place de notre informateur, Ahmad Salem. Et c'est lui qui fabrique la bombe de l'attentat du World Trade Center de 1993. Le 26 février 1993, les deux tours du World Trade Center de New York sont les cibles d'un attentat à la voiture piégée. Les 680 kilos de la bombe au nitrate confectionnée par Ramzi Youssef étaient destinés à faire basculer la première tour sur la seconde. Son plan a échoué, à quelques kilos d'explosifs près. 6 personnes sont tuées dans ce premier attentat et plus de 1 000 blessés. Mais la bombe était placée à l'emplacement exact qui aurait pu provoquer l'effondrement des deux tours. 8 ans avant le 11 septembre 2001. Les agents du FBI sont consternés. Personne n'avait jusque-là pris conscience de la toile qui s'est tissée sous leurs yeux. Pour être tout à fait honnête, j'étais effondré. Je me suis repassé plusieurs fois ce moment dans ma tête. Mon beeper a sonné, c'était le détective Napoli. Je l'ai rappelé, il m'a dit, tu ne vas pas le croire. Ils ont retrouvé les débris du van qui a servi à transporter les explosifs. Il a été loué à Jersey City par la compagnie Ryder. Et la personne qui l'a loué s'appelle Mohamed Salameh. Mohamed Salameh. Et laissez-moi vous dire, j'ai fait, oh mon Dieu, on a des photos de Mohamed. On a des photos de Mohamed à l'entraînement. C'est un ami de Nosair, c'est un ami de tous les types que nous surveillons depuis des années. Et je lui ai dit, écoute, c'est justement les types qu'on surveille. Vous savez, la raison pour laquelle on les a tous arrêtés si vite, c'est parce qu'on était renseignés sur eux. Malheureusement, pas assez pour empêcher l'attentat. De la première attaque contre le World Trade Center en 93 jusqu'aux attentats de 2001, le second volet prendra l'allure d'une course contre la montre, dans un instant. C'est la rentrée pour le magazine 28.